Merci. Il y a eu deux personnes qui m'ont convaincu qu'il fallait absolument qu'on trouve, et je sais qu'on cherchait, vous cherchiez tous depuis longtemps, c'est Philippe Besnédou qui est très opiniâtre sur ce sujet, qui a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de conviction, et Joël Merpi, avec qui j'avais déjeuné il y a 3 ans ou 4 ans, j'ai plus exactement la date en tête, et on avait vraiment fait ensemble un brainstorming pendant le déjeuner en se disant comment on peut trouver un local à lui. Il m'avait rappelé toute la nécessité, voire l'urgence qu'il y avait pour agrandir l'école. Et j'avais, très honnêtement, pas beaucoup d'opportunités. Vous savez que l'équation immobilière à Neuilly est d'abord très chère, très contrainte, qu'on appelle sous un contrat de carence de l'État, qui nous prend tout ce qui peut se libérer pour faire du logement social, puisqu'on est très en deçà des objectifs de la loi. Et donc les marges de manœuvre sont extrêmement rares. Et là, l'idée de la maison des associations est apparue, la fenêtre de tir est apparue, et j'ai bloqué la maison des associations parce qu'elle présentait plusieurs avantages. D'abord, c'était un immeuble entier, assez protégé de la rue, ce qui en matière de sécurité donnait des garanties qu'on n'a pas beaucoup dans des immeubles à Neuilly, qui plus est, pour des enfants. Extrêmement bien placé, vous connaissez le quartier, à 2 pas d'un métro, dans une zone de commerce qui cochait beaucoup de cases. Et donc là, on s'est dit, c'est vraiment cet immeuble qu'il faut bloquer pour la communauté et notamment pour l'école, parce que je sais que c'est une attente très importante pour beaucoup d'entre vous. Ensuite, on a travaillé sur l'élément économique, parce que vous savez que quand une ville